Eh bien salut tout le monde, c'est Sandy, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tout simplement présenter ma faction sur Pactify. Mais juste avant voilà, je vous invite de vous abonner à ma chaîne, voilà, ça ferait extrêmement plaisir, voilà, voilà, parce que je fais du Funcraft et du coup si vous voulez me suivre pour du Funcraft et pour du Pactify, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher des likes, voilà, je vise, c'est un peu un petit objectif de 100 likes, voilà, j'espère qu'on va l'atteindre. Mais juste avant voilà, j'ai envie de vous présenter un petit faction, voilà, qui va ouvrir dans pas très longtemps, voilà, c'est de bien sûr rémunérer, voilà, une mini présentation, ça me servira tout simplement à refaire mon design de chaîne, voilà, parce que je compte refaire ma bannière plus mon logo, voilà, par le même créateur que celui qui a fait tout simplement celle de Darkcraft. Donc du coup voilà, voilà, cet argent va me servir pour une bonne cause. Donc du coup c'est parti pour la petite présentation. Pour le serveur il se nomme tout simplement Ezia, donc vous aurez l'IP en description si vous voulez le rejoindre, et surtout le Discord parce qu'en fait il n'est pas encore ouvert, je n'ai pas de date, je n'ai pas encore d'heure, mais normalement il devrait bientôt ouvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre leur Discord pour savoir la date et l'heure en temps réel. Du coup c'est un serveur PVP faction de 1.8 jusqu'à 1.13. Du coup le PVP est en 1.8.9. Donc du coup voilà, c'est pas 1.9. Donc du coup il n'y aura pas la deuxième main. Voilà, le 1.7 et 1.8 sont réputés pour être de bons PVP. Donc normalement il ne devrait pas avoir de problème. Du coup c'est un serveur hors du commun, des combats sans limite avec des chasses au trésor et autres events. Le serveur est unique en son genre avec ses events et de nombreux staffs. Donc du coup voilà, pour découvrir les events, je vous invite à aller sur leur Discord. C'est un monde de ressources uniques. Donc voilà, il y aura des nouveaux minerais, des nouvelles ressources, des nouveaux plugins, voilà, nouveautés chaque semaine. Donc voilà, c'est à dire que le serveur va se renouveler et tout ça, donc du coup c'est vraiment pas mal. Il y a une warzone optimisée pour le PVP, c'est à dire qu'en fait la warzone sera sûrement plate, il y aura des box avec des gars incroyables. Voilà, le Discord sera en description, voilà, n'hésitez pas vraiment à le rejoindre, ça leur ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, je vous invite à aller rejoindre leur PVP faction et du coup on se retrouve avec la vidéo, à tout de suite. Alors désolé si vous entendez un peu d'écho, tout simplement parce qu'en fait j'ai changé de chambre, donc du coup maintenant j'ai une plus grande chambre, donc voilà, j'ai pas trop de meubles, donc du coup voilà, ça résonne un tout petit peu, voilà, je suis désolé, mais au moins j'ai un plus grand bureau. De toute façon je vais peut-être vous faire une vidéo setup dans, bon, peut-être pas maintenant, mais je vais bien voir. Du coup voilà, dans cette vidéo je vais tout simplement vous parler de ma faction Pactify. Donc ma faction Pactify se nomme la Noskawai, et en fait la Noskawai c'est tout simplement, je crois que c'était une équipe qui était sur Epicube, et c'était une des plus fortes, je crois qu'elle faisait partie du top 5 ou top 3 de Epicube au niveau farm et tout. Et du coup en fait le chef de cette team, hein, le grand chef, c'est bien sûr Vanoblo, donc je pense que vous connaissez Vanoblo sur Funcraft. Du coup voilà, j'ai rejoint sa faction parce que avant j'étais dans la Aizen, hein, pour ceux qui savent, avant j'étais dans la Aizen et tout simplement bah j'ai décidé de la quitter pour des petits problèmes internes. Et du coup voilà, j'ai rejoint parce qu'en fait j'avais vu la vidéo de Vanoblo et j'ai tout simplement rejoint sa faction. Donc à l'intérieur il y a tout simplement deux teams, voilà, il y a la Noskawai 1 et la Noskawai 2. Du coup moi je fais partie un peu de l'équipe de la 1. Moi je suis un officier de la 1 et normalement il y aura un deuxième officier, je crois que même il y a un deuxième officier dans la fac. Excusez-moi parce que c'est ma deuxième game aujourd'hui. Donc voilà, bon, je suis, bon là ils m'ont pris un peu en 3v1. Donc voilà, je suis officier dans la Noskawai 1. Donc voilà, c'est moi qui vais un peu gérer la faction et tout quand Vanoblo sera pas là. Du coup 2kb, toi tu vas mourir, bon, je te laisse avec ZQ. Oui parce que là je fais une vidéo avec ZQ, bon il est pas en vocal avec moi mais il est dans ma game, hein. C'est Bassine de Soir là qui est juste derrière. Nous notre objectif c'est tout simplement de terminer dans le top faction, hein, de Pactify. Bon bien sûr dans notre faction il y a tout simplement des gros tryharders, il y a des gens qui sont bons en rush et tout ça. Bon Vanoblo il est bon en rush et tout. Ensuite on a des gros tryhards qui étaient sur Epicube avant, qui farmaient comme des porcs sur Epicube. Donc normalement quand vous voyez cette vidéo vous avez sûrement peut-être vu ma nouvelle intro, voilà, qui est tout début de la vidéo, voilà, c'est fait par EonFX, hein. J'ai posté l'intro bien sûr sur ma chaîne. Du coup voilà, merci à lui, voilà, ça me faisait partie des projets, voilà, parce que j'ai fait une pub à Vanadia. Ouais, parce que en fait j'ai fait une pub à Vanadia et plus au début du serveur, au début de la vidéo j'ai fait une pub à un autre serveur, tout simplement parce que en fait là j'ai besoin de financer un autre projet qui est tout simplement de refaire un peu le design de ma chaîne, hein. Là, il faut que je refasse la bannière et plus mon logo parce qu'en fait j'ai changé de skin. Donc du coup hop, il faut que je refasse mes designs. Du coup je la ferai sûrement par celui-là qui a fait la bannière et le logo de Darkcraft. Voilà, j'ai vu avec lui, je devrais attendre à peu près un mois parce que là il est en train de faire un wallpaper d'un mec qui a commandé un truc assez dur. Donc du coup ça va lui prendre un mois, il m'a dit. Je vais m'attaquer en un coup. Du coup voilà, et normalement voilà, bah voilà, je vous ai dit pourquoi il y a eu cette petite pub au début de vidéo. Et si Pactify sort pendant les vacances, voilà, normalement je pourrais tryhard le mercredi soir parce que je resterai à jouer tout le mercredi soir.
Oh, ce que je viens de faire. Bon, bien sûr, là, je joue sous pseudo de Jadwin, hein, parce que je joue en slash nick. Donc, voilà, hein, c'était à peu près les informations pour cette team. Normalement, il y aura sûrement une vidéo pour vous présenter le roster, parce que je crois que Vanoblo a contacté un mec pour qu'il fasse des renders pour toute la faction. Ça fait un peu comme l'Aizen. Voilà, je vous montrerai vite un petit extrait. Voilà, ça fait un peu comme l'Aizen. Voilà, je vais vous montrer un petit extrait. Voilà, hop, ils montraient leur skin en extrude avec leur pseudo en dessous. Voilà, ça fait un peu une petite vidéo comme ça. Vanoblo a envie de faire ça, donc je pense qu'il y aura ça. Du coup, voilà, pour continuer à faire mes vues et tout ça, bon, j'ai préféré prendre le risque, hein, de partir sur Funcraft parce que la communauté, déjà, de 1, les youtubeurs sont beaucoup plus sympas entre eux, parce que sur Palladium, les youtubeurs sont vraiment très renfermés. Voilà, ils restent dans leur coin à faire leurs vidéos. Alors que sur Funcraft, ils aiment bien faire des vidéos avec d'autres youtubeurs et tout. Par exemple, bah, voilà, exemple de Emrose, voilà, qui présente les youtubeurs de Funcraft. Et du coup, voilà, sur Palladium, on a déjà la concurrence, hein, sur Palladium, il y a déjà la faction de Ikawi qui, bah, déjà, Vanoblo s'entend pas très bien avec Ikawi. Et de toute façon, il m'avait dit qu'avec Ikawi, de toute façon, leur faction, ils seront en froid un peu avec eux. Voilà, on sera un peu en compétition avec eux. Donc, du coup, je pense pas que ça sera une compétition vraiment violente. Genre, on se déteste et tout ça. Ça sera vraiment nos ennemis et tout ça. Voilà, peut-être un peu en mode rigolade. Ça sera pas comme avec l'Aizen, avec la fausse Aizen. Là, c'était vraiment de la pure méchanceté ce qu'il y avait entre eux. Bon, du coup, voilà, j'ai fini. Bon, on m'accuse de cheat. Hein, voilà, bon, comme d'habitude, hein, on m'accuse toujours de cheat. Donc, voilà, GG à vous. Du coup, voilà, c'était pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous a pris. Bon, voilà, les gens qui disent. Ouais, tu cheats et tout ça, mais bon, j'ai le Pactify Launcher dans mon Pactify Launcher, résumé un peu comme les cheats et tout ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà, je vise les 13 500 abonnés. Voilà, donc pas trop longtemps, j'espère qu'on va les avoir. Du coup, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, voilà, c'est pour m'encourager. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Suivez-moi sur Twitter, voilà, qui est en description. Suivez-moi sur mon Discord, voilà, j'ai créé un Discord, donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, c'était tout pour moi. Allez, ciao bye les gens. Spooky, scary skeletons, and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons, speak.